Aujourd'hui, un nouveau pas a été franchi au Parlement européen pour la protection des indications géographiques en Europe et dans le monde. En effet, nous venons de voter l'accession de l'Union européenne à un accord international qui permettra, dans les échanges internationaux, de protéger l'ensemble des indications géographiques dans le monde. Donc c'est un pas important parce que, rien que pour l'Europe, c'est aujourd'hui plus de 3000 produits qui font l'objet d'indications géographiques ou d'appellations d'origine et qui seront de cette manière protégés. Le vote est aussi important parce que dans la mise en œuvre de cet acte qu'on appelle l'acte de Genève pour protéger les indications géographiques, nous avons fait en sorte que les producteurs soient plus directement associés à sa mise en œuvre. C'est tout naturel, quelque part les producteurs sont les premiers bénéficiaires de cet accord et il est normal qu'ils soient partie prenante à la manière dont il va fonctionner. Enfin, dans la continuité du rapport que j'avais déjà présenté en 2015, nous avons demandé de manière très forte à la Commission européenne d'étendre cette protection pas uniquement aux produits agricoles, mais aussi aux produits non agricoles. C'était une demande qui avait été formulée, comme je le disais, en 2015. Et c'est une nécessité. Aujourd'hui, l'acte de Genève, donc cet acte auquel nous allons accéder, permet la protection des indications géographiques non agricoles. Et donc, il est nécessaire qu'on ait le niveau de protection le plus élevé possible. Aujourd'hui, par exemple, dans ma région, en Occitanie, les couteaux de l'aïeul ne peuvent pas être protégés au niveau européen. Et les consommateurs, lorsqu'ils achètent ce couteau, ne sont pas sûrs qu'il a été effectivement produit dans le Brac, en Occitanie. C'est donc une nécessité pour protéger à la fois nos savoir-faire, pour protéger les consommateurs et puis aussi pour maintenir des économies et des emplois qui restent très importantes pour nos territoires.